Salut, bienvenue pour la création d'un toilette sèche. Ça permet de ne pas utiliser d'eau, sachant qu'en 2022, on est déjà en pénurie d'eau. Alors je conseille d'utiliser plutôt un seau en zinc. Ça coûte ni trop cher et c'est pas aussi fragile que du plastique. Et enfin, je vais utiliser des machines à bois, mais on peut quand même utiliser simplement la scie égoïne et du bois de palette, limite, même si c'est pas très beau le bois de palette. Voilà, on s'y colle. Cela dit, j'ai fait mon plan. Je l'avais fait il y a déjà longtemps, mais j'ai remis les cotes des bonnes mesures. Faut déjà prendre la hauteur du seau. Ça fait du genre 28-30. Donc on va rajouter un petit peu d'espace. Un tout petit peu d'espace pour la hauteur. Pour la largeur, c'est pareil. Faut la calculer. Et mettre un petit peu plus d'espace pour avoir un petit peu de place. Prévoit une petite marge pour se mettre à l'équerre. Pour l'utilisation de la scie anglaise, il faut au moins une lunette de sécurité parce que ça balance du coco très fin. On coupe à l'équerre. Prévoir que la lame fait 2,8 mm, donc faut taper un tout petit peu après le trait de coupe. Là, on peut voir avec l'ombre où ça va couper. Alors, il y a une petite gymnastique d'esprit à faire ici. J'ai coupé les deux planches à exactement la même taille, 225. Mais on peut considérer uniquement qu'on perd 2 cm sur celle du dessous. Ce qui nous fait au final 430. Mais on n'est pas obligé de faire cet assemblage. On peut juste mettre des planches droites et mettre un tasseau par-dessus avec des vis. Mais dans ces cas-là, il faut quand même prévoir que le seau il va rentrer dedans, quoi. Petite coupe à 45 degrés, l'empattement pour les jambes. Il suffit ensuite de refaire exactement la même chose pour celui du haut, puis de faire les côtés comme ça en planche. Je vais me calculer mon dernier bout de bois et ensuite plus qu'à assembler tout ça. J'ai dû m'y reprendre à deux fois, c'est un peu difficile parfois de calculer les angles.
J'utilise quelques vieilles vis pour les parties cachées. Pas facile. Prévoir une petite ouverture sur celle du haut. Petit coup de scie sauteuse. Malheureusement, j'ai pas de scie à ruban. De finition, j'aurais dû apprendre les mathématiques à l'école. Mais ça ira. Maintenant, il faut poncer un peu pour que ce soit un petit peu plus doux. Alors pour l'utiliser, on prend la sciure de la scie circulaire, deux petites poignées à chaque fois. Et on évite d'uriner dedans parce que c'est ça qui fait les mauvaises odeurs et qui pèse lourd aussi. On va peut-être mettre une petite barre de renfort quand même. Celle-là, c'est bon. Un petit peu de renfort. Je pense pas que ça marche si on fait 130 kg. Voilà, la toilette sèche, avec son petit sac de copeaux d'engrais, ses petits papiers toilettes, dans une cabane de douche temporaire, dans un abri à bois provisoire. Et ça, c'est très rock'n'roll.